Bonjour, je suis contente de te retrouver pour t'aider à apprendre à lire. Tu es prêt? Concours de sculpture de sable, jour 2. Aujourd'hui, tu vas revoir les pages 124 et 125 de ton manuel de Tawki, mais tu n'as pas besoin de l'ouvrir tout de suite. Pour commencer, je vais te rappeler le mot repère. Les mots repères sont la glace, le citron, et le garçon. Chacun de ces mots comporte la lettre C, mais un seul a une cédille. Sais-tu pourquoi? Oui, tu as raison. Pour faire S, la lettre C doit avoir une cédille devant les lettres A, O ou U, comme dans le mot garçon. Je te remontre à présent le mot repère. C'est celui que tu dois savoir écrire sans modèle. Le mot outil est le mot chacun. Chacun. Grâce à Tawki, tu sais maintenant que la lettre C fait le son S si on la trouve devant le I, devant le Y, devant le E. En revanche, pour qu'elle fasse S devant le A, le O ou le U, on doit lui rajouter une cédille. C'est parti pour une deuxième dictée de mots avec la lettre C. Le premier mot que tu dois écrire est une limace. Une limace. Le deuxième mot est le mot voici. Voici. Le troisième mot, un reçu. Un reçu. Fais bien attention, avant la lettre U, le C doit comporter une cédille pour faire S. Un reçu. Et enfin, tu dois écrire un caleçon. Un caleçon. Réfléchis bien, cédille ou pas cédille? Caleçon. Eh oui, bravo, il en fallait une. Et c'est maintenant de lire ces mots tout seul. Je te laisse un petit peu de temps pour la première ligne. Bien, on reprend ensemble. Premier mot. Le cinéma. Un bracelet. Une ceinture. Des céréales. Bravo, je te laisse maintenant lire la deuxième ligne tout seul. Très bien, reprenons ensemble. Une pharmacie. Les leçons. Ça, voici un reçu. Bravo à toi. Très bien, je te propose de faire la même chose pour les phrases. Il s'agit de relire les deux phrases que nous avons lues hier. Allez, je te donne un petit coup de main. Le policier et le médecin ont chacun pris un
Raccourci. Très bien. Et voici la deuxième phrase. Cyril, le célèbre acrobate du cirque, n'a pas déçu la foule. C'est très bien, bravo. Regarde à nouveau cette image, puis nous lirons ensemble l'histoire de Taoki. Bien, nous allons faire ensemble une première lecture de ce texte. Il est un peu long, ne t'inquiète pas, nous le lirons plusieurs fois. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture. Un autre, un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Un garçon a façonné une voiture. Un autre, un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Nous rentrons dans 2 jours. Nous rentrons dans 2 jours. À très vite, Lily. Et comme tu le vois, il s'agit d'une lettre que Lily écrit à son papa et à sa maman. Bien, je te propose maintenant de regarder ensemble certains mots de cette histoire. Par exemple, ici, on a le mot reçu. Ici, on a le mot carte. Le C suivi d'un A fait toujours que. Ici, nous avons le mot concours. Le C continue à faire que parce qu'on l'est suivi d'un O. Ici,
ici, nous avons le mot creuser. Le C suivi d'une consonne, la lettre R, continue à faire cr. Ici, on peut noter le mot façonner. Ici, on a voulu, on a eu besoin de faire S, donc on a rajouté la cédille à la lettre C. Ici, nous avons le mot crinière avec le cr. Spécial. Spécial, un mot un peu difficile à lire. Ici, tu peux voir le mot sculpté avec la lettre P qui est muette. Bien, nous allons maintenant relire ensemble ce texte. Tu sais maintenant qu'il s'agit d'une lettre que Lily écrit à son papa et à sa maman. Papa, maman, j'ai bien reçu votre carte qui m'a fait très plaisir. Ce matin, le maître a organisé un concours de sculpture de sable. Chacun s'est trouvé un petit coin et a commencé à creuser, à tasser, à ratisser. Un garçon a façonné une voiture. Un autre, un château. Moi, j'ai placé des algues sur la tête de mon lion. Ça lui faisait une crinière assez spéciale. Taoki s'était isolé pour nous faire une surprise. Il a sculpté un sublime drakkar viking. Nous rentrons dans 2 jours. À très vite, Lily. Bien, grâce à cette double page de Taoki, tu sais maintenant que la lettre C, qui fait le plus souvent le son que, peut aussi faire s quand elle est placée devant un i, un e ou un y, comme dans le mot citron, cygne, cerise. Pour que le c fasse le son s devant a, o et u, on lui rajoute une cédille, comme dans le mot garçon. Bravo à toi pour tous tes efforts. Cette leçon est maintenant terminée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon de Taoki. Bonne journée !